Et rebonjour les filles, encore un en direct, juste après le premier. Ok, alors le sujet que je dois aborder maintenant et expliquer rapidement pour que ça soit plus facile pour vous à comprendre, c'est en fait concernant la formation prise en charge par l'État. Quels organismes prennent en charge la formation Kalinka? Qu'est-ce qui est possible en distanciel, qu'est-ce qui est possible en présentiel, mixte, etc. Comment ça marche? Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo vraiment rapidement. OK? OK. Alors, donc, Kalinka, le centre de formation Kalinka est un centre qui est, on dit comme ça, agréé, d'accord? Ça veut dire qu'il a son numéro de formateur supérieur, donc qui permet à financer la formation Kalinka par ces organismes. C'est quoi? Pour les indépendantes qui ont, par exemple, le statut d'entrepreneur, etc., c'est AGFIS et FAFSA. Ensuite, pour les salariés des entreprises privées, c'est OPCALIA. Pour les salariés d'État, si vous êtes si vous êtes en chômage, c'est Pôle emploi. Et aussi, il reste les comptes, votre argent sur le compte CPF et DIF. Donc CPF, je crois que tout le monde qui possède, même si vous êtes indépendante. Moi aussi, j'ai fait découvrir, et je ne savais pas, que j'avais, je crois, environ de 800 euros de financement par le compte CPF. Voilà. Après, surtout les salariés qui étaient dans sa vie, les ORDIF, je crois, c'est sûr que vous devez avoir quelque chose. Donc, DIF, vous pouvez le emmener vers votre compte CPF, donc compte, mon compte formation. Les heures, l'argent en CPF pour la formation reste sans perte jusqu'à votre retraite, si j'ai bien compris. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez perdre chaque année, comme par exemple AGFIS, FAFSA, OPCALIA. Si vous n'avez pas utilisé l'argent pour votre financement de l'année dernière, par janvier, ça sera déjà perdu. OK? Donc, si vous êtes en chômage, c'est possible aussi par Pôle emploi. Je vais rapidement expliquer chaque organisme, comment ça fonctionne. Donc, tout ce qui est CPF et DIF. Donc, CPF, vous devez avoir votre compte, être inscrite, enregistrée sur un site qui s'appelle Mon compte formation. Regardez vous-même sur Internet, etc. Donc, vous vous enregistrez assez rapidement au bout de 5 minutes et vous regardez qu'est-ce que vous possédez comme financement. Les ORDIF, également regardez sur ce site pour voir comment est-ce que vous pouvez les retrouver, comment vous pouvez les rajouter sur votre compte CPF. Donc, ensuite, tout se passe informatiquement sur concernant les CPF. Donc, vous postulez un dossier en ligne, en ligne, je voulais dire, sur le site de mon compte formation. Après, je vais l'accepter, je vais le modifier, etc. Et tout se passe informatiquement. Il y a quand même un dossier à faire, d'accord? Tous ces dossiers, maintenant, tout est informatisé chez Kalinka pour votre confort et la rapidité. Voilà, pour que vous ne soyez pas dispersés. Donc, on a tout le dossier, il est virtuel, en ligne. Sachez que maintenant, même les préfectures de la police et tout le monde qui fonctionne, même Pôle emploi, tout est informatisé maintenant. Donc, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de va-et-vient avec la poste. C'est terminé. Vous allez obtenir un accès vers votre dossier pour étudier dans le centre agréé chez Kalinka et vous devez remplir ce dossier, vous devez imprimer les documents, les scanner avec votre téléphone, tout est expliqué et vous devez télécharger sur votre espace personnel de votre dossier chez Kalinka. Voilà. Donc, Pôle emploi, c'est très spécifique. Donc, vous devez trouver normalement
un pack de formation postulé dans la plateforme de Kairos ou d'autres plateformes. Ils vont vous expliquer. Je vais sortir aussi un guide manuel qui sera détaillé en PDF. Ça sera plus facile. On va mettre tous les détails, les liens, etc. Et donc, vous devez postuler, vous devez sélectionner. Et je vais vous envoyer un devis directement à Pôle emploi. Ça se passe aussi informatiquement. Et ils vont vous dire OK ou pas OK. Donc, Pôle emploi, on accepte uniquement à Cannes une personne par session. À Marseille, deux personnes par session avec beaucoup d'entretiens. Donc, d'entretiens avec moi, avec professeur aussi. Parce que nous devons être sûrs que la personne vraiment a besoin de changer sa vie. Si c'est pour perdre votre et notre temps, je vais le détecter tout de suite. Donc, c'est pas la peine de tricher. Moi, ce que je recherche aujourd'hui, c'est les gens qui ont réellement des difficultés financières, qui veulent changer sa situation, qui sont peut-être employés dans l'autre travail, qu'ils en peuvent et n'en peuvent plus pour ne pas tomber dans la dépression. Donc, il y a une solution avec Kalinka de choisir une métier de passion que vous aimez et on est là pour vous aider et vous recruter. Ou les filles qui ont coincé avec beaucoup d'infos et ils s'en sortent pas financièrement. Donc, je recherche exactement ces personnes. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de votre motivation et votre énergie à donner. Si vous voulez avoir un meilleur salaire, environ 5 000 euros, et si vous voulez avoir votre clientèle stable, le planning rempli au bout de 2 ans, donc il faut déjà votre patience, votre persévérance et votre motivation, détermination, que vous voulez vraiment ce métier, et c'est pas, j'essaye peut-être, ça, franchement, je ne veux pas mettre mon énergie dedans pour ces gens-là. Donc, si vous êtes décidé et déterminé, vous venez et comme ça, l'État va vous aider en même temps avec les efforts de professeur Kalinka et la méthode pédagogique. L'ensemble, les trois, on va arriver à votre but. D'accord? Donc, tout ce qui est Pôle emploi, vous allez rester dans notre centre pendant 7 semaines. D'accord? Donc, ce n'est pas une semaine de formation, c'est 7 semaines. Après les conditions, je vais vous expliquer plus tard. Donc, si vous n'êtes pas disponible pendant cette semaine, c'est vrai, vous devez prendre les cours en ligne qui sont aussi fortes, mais là, c'est uniquement par le compte CPF. Pôle emploi, il faut présentiel. Donc, si vous êtes indépendante et vous voulez passer étudier grâce à FAFSEA et financer grâce à FAFSEA et à GEFIS, donc, vous devez d'abord avancer votre argent et vous devez financer votre formation. Et après, comme vous prouvez que vous réussissez tous les tests et que vous êtes présente jusqu'au bout, bon, d'habitude, tout se passe bien, hein, je veux pas vous faire peur. Donc, et avec tous ces problèmes, vous envoyez votre petit dossier, c'est à vous de faire, d'accord? Moi, je fais rien parce que je n'ai pas le droit de connecter à votre compte. Si quelqu'un qui vous dit, ah, mais d'autres centres de formation, il a tout fait à ma place. Je vous garantis que ce centre de formation se connecter avec votre compte et c'est 100% illégal. Je n'aime pas ce qui est illégal. C'est à vous de se connecter. Tout est facile. Tout est expliqué en français. Si vous comprenez pas bien le français, prenez votre mari, votre copine. Il y a toujours quelqu'un autour de vous qui va vous aider. C'est une seule fois, de temps en temps. Et vous n'allez pas lui embêter souvent. Voilà, et donc forcément AGFIS, c'est la même chose. Et vous envoyez juste la facture acquittée avec un document rempli et la fiche de présence signée du centre et de vous. Et vous serez remboursé, je crois, au bout de 1 mois ou 2 mois, je crois, maximum. Voilà. Ensuite, ils ne couvrent pas vraiment tout. Parce qu'ils calculent, ils ont leur calcul, Farcia AGFI, c'est environ plus ou moins 1 000 euros par an. Tout ce qui est CPF, ça dépend ce que vous avez
comme l'argent sur le compte CPF. Il n'y a que vous qui vous pouvez voir. Donc, soit vous prenez un pack qui correspond à ce tarif-là, soit vous devez, bien sûr, rajouter et financer la différence à vous avant le début de formation. Bien entendu. Après, tout ce qui est Pôle emploi, non, vous avancez rien. Il n'y a pas quelque chose à rajouter. C'est, tout est financé. Si c'est accepté, c'est pris en charge totalement et 100%. Opcalia, ils ont aussi des barèmes, mais c'est beaucoup plus important que FAFSA et AGFIS. Donc, avant de s'engager à la formation AGFIS, FAFSA et Opcalia, je crois aussi, vous devez leur envoyer un devis programme pédagogique et vous devez attendre leur réponse. Et vous regardez ce qu'ils vous ont dit. Et ce qu'ils vous ont dit, ils vont tenir, bien sûr, leur parole. À condition que vous avez allé jusqu'au bout avec votre formation et vous avez réussi tous les textes. Donc, si le centre de formation vous donne tous les documents que vous avez vraiment suivi la formation, donc tout va bien se passer et ils vont vous rembourser exactement ce qu'ils ont prévu à rembourser. Surtout à ne pas faire une erreur à l'avance. Que vous d'abord, vous êtes formé ici, vous avez payé vous-même et après vous prenez la facture et la fiche de présence et après vous renvoyez à l'envers, ça ne marche pas, ils ne vont pas vous rembourser. Donc d'abord, c'est un devis avec confirmation et après vous venez étudier ici. Quand c'est PF, non, c'est, tout se passe en informatique et tout ce que vous allez accepter, c'est vous en fait qui décidez de votre financement. Et la différence, vous payez s'il y a la différence. Souvent, il y a assez de financement sur le compte CPF pour nos packs débutants de 1500 euros et 2600 euros pour les packs multi. C'est aussi les débutants, tous celles qui veulent tout refaire. Et si vous avez plus, souvent, nos élèves, elles rajoutent tout de suite un autre pack, pack au choix, une technique Hollywood. Voilà. Donc, c'est tout dépend de votre centre de l'organisme. Mais ces cinq organismes, ils correspondent à mon numéro de déclaration d'activité. Donc, agrément, autrement dit, comme ça, verbalement. OK? Donc, je pense que j'ai un tout petit peu expliqué bien. Quoi que ce soit, vous devez contacter la gérante de formation, Marie, d'abord, qu'elle vous explique toutes ces choses-là. Elle va vous envoyer vers une page de guide qui sera bientôt en ligne pour chaque organisme. Donc, vous allez sélectionner un organisme duquel vous dépendez et ensuite, vous regardez toutes les instructions. Et la question la plus fréquente, mais dites-moi de quel organisme je dépends. Je ne peux pas vous répondre à cette question, plus que à ce que je vous ai dit déjà. Comme je vous ai dit, si vous êtes indépendante, à vérifier AGFIS FAFSA, salarié des entreprises privées, c'est Opcalia. Si vous êtes en chômage, c'est Pôle emploi. Et si vous êtes et vérifiez si vous avez sur le compte CPF aussi une somme pour votre financement. Si vous étiez salarié ou même pas. C'est tout. Si c'est d'autres cas que ça, je ne sais pas. Soit vous prenez un comptable à vous, quelqu'un qui est compétent. Prenez un comptable qui va vous questionner, qui va vous guider, qui va appeler peut-être savoir de qui vous pouvez dépendre. Ça, malheureusement, je ne peux pas vous aider. Pourquoi? Parce que vous savez, chaque personne, c'est un cas à part. Et je ne suis pas l'expert dedans. Donc, je ne peux pas détecter de quoi vous dépendez. J'espère que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Même votre comptable, si vous avez déjà une entreprise, oui, ça c'est sûr qu'il va vous dire. Mais comme ça, si vous n'avez pas de comptable, je ne sais pas, même pour n'importe quel comptable, ça va être difficile de dire. Il va vous questionner, il va chercher avec vous. S'il trouve quelque chose, c'est bien. Ensuite, si vous dépendez d'un organisme de financement qui est particulier, que moi, je ne connais pas,
toutes les manières, c'est facile. Je vous donne un programme et je vous donne un devis, vous leur envoyez. S'ils sont d'accord à financer, tant mieux. S'ils sont pas d'accord, bah ils sont pas d'accord. OK? Mais par les plupart, les plus importants, les plus gros en France, mon agrément, il permet déjà de financer. OK? Donc, est-ce que... Donc, comme je dis, vous passez par Marie. Marie, elle va vous envoyer encore vers un lien, fiche explicative pour chaque organisme de formation. Ensuite, elle va vous donner aussi une fiche de renseignement informatique. Donc, c'est une enquête Kalinka que vous remplissez tout ce qu'il nous faut pour vous faire un devis, un programme, un contrat de formation ou de vous ouvrir un dossier en formation parce que tout est informatisé chez Kalinka ainsi que d'autres données qu'on a besoin ainsi que l'entretien téléphonique qui est important parce que quand c'est un centre agréé, centre de formation agréé, moi aussi j'ai beaucoup des règles à respecter et je dois avoir le dossier pour chaque personne. Et après, selon quel financement, vous serez adressé vers... Vous allez suivre l'ordre des étapes selon le centre de financement duquel vous dépendez. Voilà, de toute façon, il y a Marie qui puisse vous guider. On a aussi on va vous placer dans notre contact virtuel 24 sur 24 avec moi et Marie et encore troisième personne qui gère les dossiers. Et donc trois personnes, on est là pour vous guider. Voilà, au niveau du dossier, si vous avez des questions, etc. Et donc vous ne serez jamais perdu. Vous serez connecté avec nous 24 sur 24. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que vous décidez d'étudier chez Kalinka, vous êtes pris en charge dans le sens où vous avez le suivi 24 sur 24 en commençant par un dossier de formation. On est là et on vous aide avec tout. Ainsi que pendant la formation et ainsi que après la formation, pendant tout le temps que vous consommez les produits Kalinka, c'est un service supplémentaire, un service VIP, supplémentaire, voilà, pour tous les élèves issus de l'école Kalinka. Si vous décidez de travailler avec les produits Kalinka, vous avez ce service après-vente, donc tous les conseils et le suivi 24 sur 24 pour vos pauses, pour les produits, pour des cas particuliers, pour tout ce qu'il faut conseiller, pour des problématiques. Tout ce que vous voulez, on est là pour vous accompagner 24 sur 24. Et je trouve que c'est un système qui est supérieur en France. Je ne sais même pas si les universités ils font ça. En tout cas, Kalinka, elle fait tout ça. Pourquoi ? Parce que l'objectif de Kalinka, c'est votre réussite. On est là si vous voulez réussir. Et on a tous les outils et toute mon expérience. Et les gens qui vont vous accompagner, ils sont expérimentés et préparés pour que vous réussissiez, à condition que vous avez motivation et détermination. Bonjour, avez-vous un numéro pour se faire payer par un organisme de formation ? Pendant 15 minutes, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Bien évidemment, j'ai le numéro. Ça s'appelle le numéro d'activité professionnelle pour donner pour un centre de formation. Voilà. Donc, bien sûr que j'ai un numéro. Ce numéro, il est sur chaque devis et sur chaque programme pédagogique que je vais vous fournir pour votre organisme de financement. Donc, de mon côté, il n'y a rien à remplir. C'est à vous de remplir. Ah, il y a une nuance pour les documents de AGFIS et FAFSA. Souvent, c'est noté en bas, mettre, remplir par une entreprise. Par l'entreprise ou quelque chose comme ça. Sachez que je ne suis pas, ça ne me concerne pas. Je suis un centre de formation. C'est différent. Il y a centre de formation, il y a le stagiaire, et il y a l'entreprise. L'entreprise, c'est soit à vous parce que vous êtes indépendante, soit vous travaillez pour quelqu'un, chez quelqu'un qui vous envoie pour ses études. D'accord ? Mais tout ça, on va marquer dans le guide.
PDF que je vais mettre sur le site Kalinka Shop, sur le site officiel, pour que vous puissiez guider plus facilement. Et on va rajouter au fur et à mesure les questions-réponses. Questions-réponses, comme ça, vous allez trouver beaucoup de réponses dedans. Et au moment où vous voulez vous engager, vous êtes déjà en prise en suivi 24 sur 24 par mes professeurs, pour même pour votre dossier. Là, toutes les questions seront en direct pour vous. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va se déconnecter. Voilà, regardez avec Pôle emploi, parce que c'est un entretien le plus dur. Il faut vraiment des pros. Bah, déjà, tous les entretiens, ils sont. On le sent quand même, chaque élève. Donc, dès que c'est hésité ou quelque chose, si la personne n'est pas encore sûre, moi, je vous conseille de prendre votre auto et un jour, quand vous serez décidé. Voilà. OK? Donc, je vous dis à bientôt. De toute façon, si vous avez des questions, contactez Marie, l'assistante de formation. Elle est toujours là pour vous répondre. OK? Donc, à bientôt. Au revoir.